On n'est pas maintenu. On n'est pas maintenu. Alors oui, il y a des matchs à domicile. Est-ce qu'on va cibler uniquement sur ces matchs? Non. Non, parce qu'on peut passer aussi au travers. On l'a vu par moment. Donc, ils sont importants. Ça, je le dis aussi souvent, ils sont importants, ils ne sont pas déterminants, mais oui, ils sont importants. Et nous, on veut continuer. Parce que malgré tout, notre série, moi je parle souvent de contenu, donc notre série dans le contenu, elle ne s'est pas arrêtée. On n'a pas été catastrophique à Monaco, donc je veux la continuer, et notamment à domicile. Ils ont un jeu efficace, pragmatique, et avec beaucoup d'engagement, un système bien huilé, qu'ils maîtrisent. Et une très belle dynamique. Voilà, ils vont chercher le podium, ce qui est rare pour Strasbourg. C'est pas nous quand on jouait Strasbourg, on jouait le Strasbourg de fin de tableau ou voilà qui était entre la Ligue 2. Là, voilà, c'est plus cette équipe. Ce Strasbourg-là, c'est du niveau de Marseille, c'est du niveau de Rennes. Et donc on s'attend, oui, à être en difficulté sur ce match. Mais voilà, on l'a préparé, on l'a bien préparé, on a tiré aussi les leçons de ce qu'on a fait à Monaco, où on n'a pas été suffisamment au top pour ramener des points. On a gêné notre adversaire, mais ça n'a pas été suffisant. Et on veut plus que gêner notre adversaire, notamment à domicile. On n'est pas dans un fauteuil quand on aborde un match, donc forcément, je sais qu'il y a de la casse. Il y a des moments de moins bien au niveau psychologique, au niveau mental, au niveau. Donc, on a besoin de remettre de la fraîcheur dans le groupe. Et pour ça, oui, il faut pas que j'ai qu'un seul attaquant, faut pas que j'ai que deux milieux, faut pas que j'ai que trois défenseurs centraux. Je sais que je vais avoir besoin de tout le monde et ils sont prêts. Le vestiaire est prêt à répondre à cette fin de saison. Est-ce que ça sera suffisant? Je sais pas. Mais on est prêt. Et moi aussi, dans l'entraînement, dans les séances, dans les matchs, j'ai aussi anticipé par moment à préparer certains joueurs à certains postes pour combler ces manques qu'on peut avoir dans une longue saison.